Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, intro hyper courte, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Alors tout simplement les gars, on avait été récolter de l'opium, donc nickel et tout, parfait, sauf qu'on avait oublié de le stocker, donc on a décidé, moi j'ai décidé de le fumer etc, j'ai dit tant pis, et donc j'ai consommé etc l'opium dans le jeu. Et j'ai oublié une chose, c'est le coffre. Donc je vais regarder tout ça les gars, vous allez dire ah ouais le Kemé il est littéralement con, il a oublié de regarder le coffre. Je vous laisse sur ça, c'était Hyper Axel, bon visionnage, peace. Ça va ou quoi? Putain pas mal hein. Pas mal ta voiture, chef. Ça a pas la musique, frérot. Ouais, ça, c'est Axel, ça. Hein. Ah ouais. Petit GTI, là. Ah oui. C'est quoi comme voiture? Elle coûte combien, attends? Comme fuite. C'est une voiture de là-haut. Elle vaut combien, bon? Je sais pas, c'est dans les caisses. 300. T'as dit quoi, chef? Et... Ah ouais, t'as vu. T'inquiète, on essaye. Siège back et tout, frère. T'inquiète. Incroyable. Bon, vas-y frérot. Vas-y gros. Il a fait petit départ arrêté et tout. Parce que j'ai freiné tout à l'heure, j'ai cru que c'était des filles gros, elles sont de ma côté. Mais gros, je suis shooté à l'opium. Avance un peu. Il y a moyen. Ah oui, oui, bah c'est sûr. En plus, la voiture elle est clean, je pense pas qu'ils vont nous arrêter. Moi je dis live love, c'est chaud parce que. Ouais, voilà. Oh la police! Oh là, ils sont là, ils sont là. Oh putain, wesh. Arrête, arrête. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous mettre sur, les... sur le côté s'il vous plaît monsieur? Ok, très bien. Contrôle. Pas de soucis. Je vous laisse vous mettre sur le côté. Oh là là. Hop, allez-y, vous pouvez couper le contact et sortir du véhicule s'il vous plaît? Pas de problème. Pas de problème. Alors, est-ce que je peux avoir votre... Alors, carte d'identité et permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Bien sûr. Oh, d'accord. Alex Hyper, donc, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Axel, pardon, pas Alex. Ouh là là, ça c'est la fatigue, ça. Pas de soucis. Est-ce que vous pouvez montrer aussi le permis de conduire, s'il vous plaît? Bien sûr, tenez. D'accord, donc vous avez le permis arme et le permis pour la voiture, donc il n'y a pas de souci. Vous faisiez quoi dans le Nord, monsieur? J'étais parti pour un recrutement d'entreprise, pour un entretien d'embauche du moins, et là du coup je rentre en ville, tout simplement. Voilà, tout s'est bien passé. Ah, vous êtes patron d'entreprise? Non, du tout, je me fais recruter justement et j'ai été avec le patron du coup. D'accord, vous allez travailler dans quelle entreprise? Pour les pommes. On a aussi du coup Dylan et moi, c'est... J'ai plus le nom en tête. Ah, Orpailleur. Orpailleur, voilà, autant pour ça, moi. C'est ça, exactement. Autant pour moi. Voilà, d'accord. Vous avez travaillé pour l'entreprise des Orpailleurs, quoi. D'accord. C'est voilà, ça, ça fait qu'une journée et demie qu'on est là, hein, pour l'anecdote. Qu'on vient d'arriver en ville, quoi. Y a pas de soucis, de toute façon. Je vais juste vous procéder une petite palpation, monsieur. Et pour les messieurs, pas de problème. Aussi, moi, c'est juste pour voir si vous avez rien d'illégal sur vous. Ok, allez-y. Pas de soucis. Vous n'avez rien, monsieur, tout va bien. Et pour merci. Vous, monsieur. Vas-y. D'accord, pareil. Tout est en ordre, il n'y a pas de souci, monsieur. Je vais juste vérifier aussi le véhicule. Il est ouvert? Oui, allez-y, je vous en prie. D'accord. Monsieur, vous m'expliquez ce que vous avez dans le coffre, là? Dites-moi. C'est de l'opium. Et l'opium, oh c'est... Oh non. Il y a combien? C'est une drogue, quoi. Et de l'opium? Alors, pour anecdote, j'ai passé mon véhicule à quelqu'un. Oh putain. D'accord. Non. Ah oui, mais vous êtes maître de votre véhicule, monsieur? Oui, tout à fait. Je suis et donc là, malheureusement. Oh non, Dylan, il reste dans le coffre. Normalement, là. Je vais être clément parce que. Ah ouais, c'est problématique. Je vais vous mettre juste une amende par rapport à possession. On dire de produits stupéfiants, mais... Okay, allez-y, saisissez, de toute façon, je ne suis pas ni consommateur ni vendeur. Je vous laisse récupérer l'opium qui est dans le coffre. Oh non, ouais, Dylan, putain, j'ai pas regardé dans le coffre. Il n'y a pas de souci. Hop, alors je vais juste vous mettre l'amende alors, monsieur. Ok, super, merci. Oui, il faut pas prêter les véhicules comme ça à tout le monde, hein. Oui, c'est... non, autant pour moi, bah oui, j'ai voulu rendre un service et... Non, ok. Ouais, c'était les trois pélos, hein. Oui, c'est ça. Après, à la limite, sinon, vous avez les noms des trois personnes qui ont fait ce genre de choses ou pas du tout? Oui. Alors, ah bah si Dylan les a du coup. Bah, je crois que j'ai ses contacts, je pense. Bah, toi bah... aussi, je crois, non? Alors là, je sais pas. Toi, tu les as? Bah, si tu les as, vas-y, sors-les hein, directement. Ils ressemblent à quoi? Ah, les poucaves! Ils étaient habillés pareil, une sorte de capuche. Ah, les poucaves! D'accord. Veste capuche, une couleur apparente ou pas du tout? Ouais, militaire jaune, vous savez, style. Une genre de doudoune.
Jaune, noir, gris. D'accord. Ok, ouais, donc pas... Du style de mon collègue. Du style de mon collègue. Ah, non, j'ai pas les numéros parce qu'en fait j'ai donné mon air... je sais pas comment ça s'appelle. Ah, vous avez fait un airdrop? Ouais, voilà. Juste. Et j'ai pas reçu le... Bah, faites attention à ces individus-là, hein, parce que ça, généralement, on a possession de drogue. Oui, c'est pas... Voilà, quoi. C'est, okay. Ouais, mais on comprend, on comprend. Je devais vous arrêter et vous emmener au poste, carrément. Hein, ah oui, d'accord, ok, oui, non, non. Donc, ouais, okay. Voilà, faites attention avec qui vous traînez. Je vous dis. Si, à un moment, vous avez contact avec ces personnes-là, à la limite, et vous voyez que vous avez quelque chose d'illégal dans le coffre ou quoi que ce soit, vous okay. venez voir et puis je vais essayer de voir. Vous serez ici directement, du coup? Non, vous voyez Paléto ou pas? Oui. Dans le nord? Oui. Vous voyez le poste des shérifs? Tout à fait. Ouais. Vous emmenez là, vous dites que vous voulez voir 11, c'est mon matricule. Ok. Si je ne suis pas là, il y a 69 qui est un de mes collègues et c'est lui qui fait des investigations avec moi pour tout ce qui est criminalité, drogue et tout ça. Ok, très bien. D'accord, ok. 10-4. Ils ont même mis des... Regarde à côté, gros. Ouais, j'ai vu. Ils ont même mis des trucs. Oui, 10-4, tu le saisis, oui. Juste regarder pour la manche, malheureusement. Je ok. Essayer de... okay. d'être gentil avec vous, quoi. Ok, ouais, super. Être, bon. Oui, on est... Oui. Oh, il se fait péter la gueule. Oh, putain. T'as le... Pire scénario possible imaginable à la douane, frère, de l'opium sur nous, wesh. Franchement, des cons. Mais je m'en doutais, je suis dans le coffre, frère. Bah ouais, gros. Au lieu des 15 000, je vais vous la faire à 5 000. Ah, ok. Réglable tout de suite, du coup, c'est ça? Mais vous avez une facture directement de votre portefeuille. Ok. C'est pas comme à la Speedy ou quelque chose comme ça, c'est vraiment... Ok, oui, je vais la recevoir, ok. Parce que sur moi, il me semble que j'ai je vous que... Ah, alors attendez, est-ce que la drogue a été enlevée? Mais bon, je vous laisse repartir tranquillement et dès que vous avez okay. Des nouvelles de ces personnes-là, essayez de passer au poste comme ça. Je ok, très bien, ça sera fait. Ok, okay. Matricule 11, ok. Très bien. Bah, merci à vous en tout cas de votre clémence. Mais là, pas de soucis. Allez, bonne route à vous et bon courage. Merci, à vous également. Aussi. Au revoir. Bon, bah voilà. Le pire scénario, frère! Putain, ils ont mis des barbelés par terre là, des trucs pour les pneus et tout. C'est bien foutu. Il faut que t'avances dessus, je crois. Léger. Oh, léger, léger! Salut! Oh putain, gros! Oh non, gros! Aussi, gros, j'y vais. Parce qu'ils ont le droit de saisir la drogue et nous mettre en prison, gros! Non, on n'a pas géré, gros! Attends, mais. Eh, ça va faire un de ses titres. Je passe avec la cam à la douane! On s'est chier la gueule du loup, frère, normal. Ah, le pire, c'est que je dis quoi? Vas-y, je consomme tout, nique sa tu mère. Dis quoi? On passe à la douane en pensant qu'on avait bien enlevé toute la drogue. Ouais. Ça tourne mal. Ça tourne mal, prank. Kenny me rate son ramadan. En plus, j'ai bien kiffé quand il a dit bah, monsieur, vous m'expliquez. Bah, ouais. T'étais plein, bâtard. Moi, j'étais là, je dis de quoi? T'étais là, je pense. T'étais là, je pense. Bah, ouais. Oh, coup de pression. Allez, go fast, ma gueule! Eh gros, ça veut dire que j'en aurais eu sûrement, gros, j'aurais été. Mais gros, il m'aurait dit, mais c'est mort! Tu vois quoi? Ah bah ouais, là. Ouais, bah ouais, ouais, j'aurais pas pu, c'était fini là. Fais gaffe, les flics. Oh. Oh, j'ai roulé en contresens. Le mec, pas trop grillé, il arrive à fond de balle, puis il freine au moment d'un. Il est pas cramé, tu sais. Je vais chercher à manger, j'ai trop la dalle. J'ai tout ici, j'ai tout à qui abandonner, un scooter. Ouais, bah gros, on est dans les quartiers chauds là. Si. Mais j'ai plus de sous, gros. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Vas-y, c'est quand moi qui rase, vas-y. Tu t'es endetté envers moi, bâtard. Ah ouais, je suis endetté tout seul, gros. Braqué, ah non. Non, c'est bon. Je vais le braquer quoi avec mes doigts. Ouais, j'avoue. Panier. 1, 3. Attends, mais j'ai essayé. Panier payant en banque. Wesh! Non! Mathieu, pour culer. Mais c'est pas moi, gros. C'est le jeu qui a fait l'animation. Attends que j'ouvre ma voiture, sinon après tu peux me l'accrocher, la voiture. Tu peux me la voler, hein. Des fois, genre, ça marche, hein.
T'as pas, t'as pas de sous pour l'essence, enculé, je suppose. Gros, tu veux me ruiner parce que je suis déjà à moins 10 000, bâtard. Toi, t'es à moins 0. Hein. Ouais, j'avoue. C'est-à-dire que toi, dès que t'as une rentrée d'argent, moi, c'est renfloué sur ma dette. Toi, tu les as sur ton compte. Ouais, j'avoue. Donc, je suis pas prêt de voir la couleur. Bonsoir, bonjour, bonsoir, la populace. Eh, pas mal les bzez. Eh, Apex, pas mal les bzez. Tape ta voiture. Eh, il y a des citrouilles. Eh, mais non. Oh. Pas mal l'auto, mon grand. Putain. Wesh, la féfé, mon gars. C'est pas la galère. Ouais, la féfé, frérot. Monsieur. Ok, donc. Wesh, c'est quoi le délire, frérot, là? Le flic est parti avec la voiture, genre. Wesh, Max Payne, t'as investi dans le Gucci. Wesh! Wesh! J'ai tout vu, j'ai filmé! J'appelle la police tout de suite! Ah merde! Ah bah merde, c'est eux la police! Quoi? Il a un ou pas? Non, je suis en train de. Il veut ma voiture! Il veut ma Golf! Laquelle? Ma Golf 8! Ouais, il la veut, c'est dans la caisse! Ah ouais, gros. Ah frère, elle est magnifique, la vie. Moi, je kiffe, gros. Ah ouais, ma voiture de rêve, frère. Sérieux? Ah ouais. Un petit pop and bang, là. Ah ouais, ah là, tu parles bien, là. Ah là. Ah ouais.